Bien, au calme. Déjà, on est où là pour commencer? Là, on est à Noailles, frérot. Cœur du centre-ville. C'est la maison ici. Chicago. J'ai tenu à le faire ici, tu sais, parce que depuis que je suis petit, moi, j'ai deux maisons. J'ai ici le 14e. Je voulais bien mettre en lumière le centre-ville parce que c'est ma famille qui est ici, tu vois. C'est la maison. Il y a les poteaux qui sont là depuis que je suis petit. Donc voilà, moi, c'est ça, à vie. C'est centre-ville et 13014, 14e arrondissement. Bon, déjà de base, toi, est-ce que tu peux te présenter, tiens, avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Panther, jeune artiste marseillais, j'ai 26 ans. Je me suis consacré à la musique il y a 6-7 ans, on va dire. Je faisais pas ça à temps plein parce que j'étais, voilà. On va dire ça fait 2 ans que je m'y prête sérieusement et que j'essaye de faire quelque chose. Je suis sélectionné, mais je suis dedans. Je suis chez les mêmes, je suis dedans. Je suis derrière le bloc qui est devant. Donc, ça peut être à sur le dedans. De temps. Aucun cœur comme Marlon Stenfield. Les quartiers, non, c'est pas Netflix. Premier clip, c'était quand, du coup, on va dire? Le premier clip que j'ai fait, je crois, c'est à la rue d'Aubagne, je vais t'emmener en haut. Mais c'était un clip où on était beaucoup de rappeurs. C'était un petit rassemblement de beaucoup de rappeurs de Marseille. Il y avait Chip, par exemple. Il y avait Jules, il y avait Lams, il y avait NIC. Mais oui, c'était Cafouillage. Cafouillage. Je me rappelle, ça date. Eh oui, ça date, ça fait longtemps. Là, on va aller au magasin de ma tante. On vient à la famille, tu as vu, en ville. Beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui font du commerce. Et par exemple, le magasin de ma tante, elle a un salon afro avec plusieurs produits, que ce soit pour les cheveux, que ce soit de la crème, plein de trucs. C'est la référence à Marseille, de toute façon tout le monde connaît. Ça s'appelle Afrota, c'est juste là. Il y a tout ici, même ceux qui veulent faire des gros decks. Voilà, c'est la petite aventure un peu. Yeah. Bien. Alors on peut trouver quoi ici, frère? Donc voilà, ici il y a de tout, des produits afro pour les cheveux, pour la peau, tout ce que tu veux, regarde. Pour ceux qui font des devs, c'est à Marseille, ils sont encore en mode dev. Donc on peut faire ça ici. T'as quitté un peu à Noailles ou t'as fait que dans le 14e? T'as fait à Corot aussi, je crois. J'ai fait au Rosier, j'ai fait à la Visitation. Le premier que j'ai fait, c'était en ville, mais il y en a que j'ai fait en ville que j'ai dû supprimer aussi parce qu'ils étaient, tu vois, qualité, etc. Mais là, on prépare du lourd. Je compte faire un gros. En fait, je vais faire le travail bien, tu vois. Je vais faire un beau travail, un beau clip pour bien représenter. Donc là, ça va arriver dans pas longtemps, t'inquiète. T'as une petite série aussi, Tété, je crois. Ah oui, une série Trista, elle est Tété, tout est rien. Voilà. Ouais. Ah ben c'est là où j'ai clipé à Coro. C'est vrai, c'est celle-là, c'était le 1. C'est là où j'ai clipé à Coro avec mon gars Djibo. Djibi, grosse dédicace. Là, on tape avec une nouvelle ère, mon Rosa. Donc tout se passe bien, hein. Ça arrive doucement, mais très, très sûrement, très salement. T'inquiète même pas. Et avec Nouvelle Air, c'est quoi qui se passe? C'est une petite collaboration, c'est... Non, c'est... ils me produisent, ils ont un label, tu vois. Ouais, ils produisent. Ils ont un label de musique. Nouvelle Air Productions, il a sorti une compile là. T'es dessus toi ou quoi? Je suis dessus, évidemment. Ah. Sur le titre dedans. Il y a beaucoup d'artistes sur ce son et les sons ils tuent tous. Je dis pas ça parce que c'est le producteur, mais tous les sons ils tuent. Donc si vous les avez pas encore écoutés, il faut y aller. C'est important. Et sur ce titre-là, il y a que toi ou t'es en feat? Non, c'est un solo. Solo, hein? C'est un solo, ouais. Comment ça s'est fait d'ailleurs là? Comment tu les as, on va dire? Morosa, c'est quelqu'un qui connaît énormément de monde. Tu vois, il nous connaît aussi, il connaît ma famille. Tu vois, parce que moi j'ai une grande famille à Marseille, la famille de Mandjak, Mendy et Gomis. Et il nous connaît très bien, donc on s'est vu et voilà. On a été présenté par quelqu'un en commun, tu vois, par le frérot. Et voilà, depuis, c'est le taf. Le Z. Oh, en pleine interview, hein. Ça va, bien, tranquille. Et très bien. 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 Voilà. Ça va. On est de quel côté de Noailles là? C'est pour moi. Là, on va monter à la rue d'Aubagne. Là, je tiens à te montrer. J'ai un cousin. Comme je t'ai dit, j'ai de la famille qui a beaucoup de commerce. J'ai un autre cousin qui a une marque de vêtements.
Tu vois, lui, il est un peu dans tout. Il a énormément de talent. Il est très talentueux. Tu vois, il fait des fresques et tout. Il s'appelle Ozas. Tu vois, tu lui donnes un mur, il te fait le mur. C'est lui qui a fait... il a fait plein de fresques dans les quartiers. Je crois que si tu vas à la Castée, il y a Agraya. C'est lui qui l'a fait. Et il fait tout. Et moi aussi, je vais lui dire de me faire sur un mur dans pas longtemps. Là. Regarde, c'est là. Juste ici. Il faut venir passer. Dans pas longtemps, vous allez voir ma tête sur un mur dans ville. Ça sera lui. Et alors en ville, gros, c'est bien différent du 14e, hein, des quartiers noirs. Ouais, après, tu sais, Marseille, c'est une ville, elle est grande, mais elle est petite. Dans le sens où on se connaît tous. Tu vois, après, il n'y a pas tout le monde qui s'entend, mais on se connaît tous. Moi, je suis un peu un vagabond, c'est-à-dire depuis que je suis petit, ma mère, elle était au nord. Tu vois, ici, il y avait ma famille, il y avait mon oncle. Après, j'habitais chez mon oncle, ça veut dire que je traînais ici. Je traînais au nord. Quand je suis pas là, c'est que je suis là-bas. Quand je suis pas là-bas, c'est que je suis ici. Mais voilà, c'est la même famille. Hein. Après, ouais, c'est différent. C'est juste qu'ici, il y a plus de monde, tu vois, parce que c'est le centre-ville. Même si c'est notre quartier, on voit des gens passer, tu vois. Alors que dans les quartiers là-haut, c'est juste nous. C'est renfermé. Vois, c'est quoi? Ouais, c'est renfermé. Là, il y a le frérot, là. Le grand frérot. La maison est la casse. Diz. Allô. Frérot, quoi? Bien, tranquille. Un jeu de démoniaque. En ville aussi, c'est chez lui. Ça va, frérot? Bien, frérot, tranquille. Lui, c'est mon grand frère. Les gens, ils le connaissent, Ange. C'est mon vrai frérot. Voilà. Il y en a d'autres qui rappent un peu dans ta famille ou avec toi? Ouais, ben lui c'est un découpeur, tu vois. Après, il y a mon petit cousin Léo. Comme je t'ai dit, tu as vu ici, moi je connais un peu, j'ai traîné dans beaucoup de quartiers. Léo, lui, il est des Oliviers. Il va nous rejoindre juste là. Après, il y a Hamza Boy de la Vista et du Plan. Ah, jure. Eh oui, c'est mon cousin Hamza. Et je vais le voir là, vendredi. Après, il y a Foucault dans le 7-8 au Muro, si tu passes. Tu vois, il y a du monde, hein. Ah, grande famille, hein. Eh ouais. Allez, ouais. Quoi, tranquille. Bien. Ah ben tout à l'heure tu me parlais du clip Cafouillage, tu te rappelles? Ouais. Le clip Cafouillage, je suis sorti de là. Ah, tu sortais du système là? C'est ici que je sortais, avec Amari. Voilà, toujours pareil, il m'a vu comme ça lui. Voilà, c'est le Zé. Zinc, ça va ou quoi? Bien, tranquille. Ça va? Ok, bien. Bien, ça va, très bien. Sinon t'as fait d'autres clips un peu par ici ou quoi? Là, en fait j'en avais fait, mais tu as vu comme c'était... Avant c'était pas trop sérieux, c'était pas trop encadré. Puis comme je faisais pas ça à plein temps, comme je t'ai dit. Il y a des trucs que j'ai supprimés, etc. Mais maintenant, là, qu'on fait les choses bien, que c'est structuré et encadré, on va faire des bons trucs, mais on va les faire bien, tu vois. Comme ça, on n'aura pas à les supprimer, ça donnera des belles images. Mais t'inquiète pas, dans pas longtemps, là, ça va... C'est notre ville, là, tu vas entendre parler, t'inquiète même pas. Bon, en ville, voilà. C'est un train de vie différent que quartier nord, que quartier sud, c'est... Ouais, on a c'est nos... C'est un code spécial ici à Noailles, tu dirais. On a nos codes à nous, c'est des ruelles qui sont chez nous, c'est des favelas, un peu. Tu vois, regarde. Tu vois. Ils ont mis des caméras partout encore. Avant c'était vraiment Chicago avant. Ouais, après c'est Marseillais, tout le monde connaît, tu vois. On sait s'adapter. Écoute. Tu sais pas ce que l'on prépare. Voilà. Et justement, ouais. TT. Pourquoi le nom TT sur la. Tout terrain. Tu vois, parce que dans le rap, on a souvent une image où. On doit faire soit de la drill, soit de la trap, soit du rap français. Il faut avoir une case. Et moi, j'aime bien tout faire. Tu vois, donc j'ai voulu montrer aux gens que si je veux faire les choses, je les fais. Donc j'ai fait des freestyles tout terrain qui composent la drill, la trap et le rap français, si tu remarques bien. C'est trois types d'instru que je voulais aborder pour montrer aux gens que je sais faire les trois, tu as vu. Comme ça, ça choque pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Je lui ai dit, ouais, elle est passée. Que je t'ai montré tout à l'heure. La frère, elle est presque, je t'ai montré. C'est toi qui as fait tout ça. Il y a celle de là aussi, non? Il y a celle de là. Celle qui est la femme là qui a joué. Regarde, et là, il y a le zinc. Il y a notre zinc encore. Voilà, j'ai dit, le CE, c'est la famille. Voilà. Tu as vu lui là? Dans pas longtemps, il va me faire ma tête sur un mur dans la ville. Il faut, hein. Je te l'enverrai de toute façon. Avec une panthère derrière. Il est talentueux de fou. Ça fait très très longtemps, il fait ça. Il est bon dans ce domaine, il faut aller voir ses trucs. Et t'as fait où du coup un peu? T'as fait en ville? T'as fait à Miami pour commencer fort. Ouais, j'ai grappé un peu partout, au Sénégal, Miami, Mexique, Allemagne. Ouais. Zek, comment? Bien, yeah. Quoi? C'est comment? Grand danseur, hein. C'est le zinc encore. C'est ça. Bientôt. Et ils vont te le rendre sali. Tout ce qui te reproche sont le reflet de leurs amis. Alors. Lui, il m'a jamais lâché. Ouais, les frérots, ils sont là, ils sont restés. Les Wakanda de. Eh oui. De Noailles, ils sont comment ici? Ils sont. Ça va, on les aime bien. Dans le nord ou quoi? On les aime bien.
Dans le nord, c'est compliqué, hein, tu vois. Ouais. Il y a des accents de Hagal, mais bon, après, c'est des gens qui ont fui la guerre et tout, tu vois. Ils se laissent pas faire, ils ont un délire, tu vois. Et puis, j'aime pas trop juger les gens, moi, tu vois, mais bon. Il y a des choses que j'ai pas cautionnées, mais bon, voilà. En tout cas, ceux-là, d'ici, là, je parle d'eux parce que je les connais personnellement. Ça va, tu vois, on s'entend bien avec eux. On essaye de parler anglais vite fait, parce qu'ils parlent pas anglais. Ça nous apprend l'anglais en même temps, tu vois. Et voilà. Lui, c'est le frangin Nas, il m'a jamais lâché. Si tu regardes mes clips, tu le vois dans tous les clips. Partout, hein. Je crois qu'il est dans tous les clips. Il est dans ça, lui, il est dans Tarif. Il est dans les TT1, TT2 aussi, je crois. Enfin, il est dans pratiquement tous les clips. Sinon, à Noailles, il y a d'autres rappeurs un petit peu. J'imagine que c'est sûr, de toute façon, il y en a d'autres. Il y en a. Dans le centre-ville, il y a beaucoup de rappeurs. Tu vois, il y a Missan, il y a Enissé. Tu vois, c'est des gens que on s'est vus tout petit. Après, tu vois, chacun, il a fait un peu sa route. Le centre-ville, c'est grand, tu vois, mais on se retrouve tous, de toute façon. On peut se croiser n'importe où. Après, il y a Noailles, il y a La Plaine, il y a Courjulien, il y a Le Panier, il y a La Fac. Tu vois, il y a partout. Ouais, de toute façon, ça va. C'est des secteurs, ils sont tellement collés qu'en fait, tout le monde se connaît. Même tout le monde se connaît. Ouais, quand tu es un mec d'Anville, tu es un mec d'Anville. Ça veut dire que tu es de partout, de toute façon. Mais comme je t'ai dit, moi, ma maison, c'est centre-ville et le 14e. Tu vois, parce que ma mère était du 14e, donc j'ai habité là-bas. Où ça, ici aussi. J'étais vers Sainte-Marthe, moi. Ouais. Tu vois. Donc, les quartiers collés à côté, tu sais, Fond Vert, Méditerranée, ma visitation, etc. Pour la famille aussi. Voilà, c'est les fameux mythiques escaliers du Courjus, c'est ça? Du coup, c'est notre tour Eiffel, ça. Déjà, ils viennent ici, ils font des photos, c'est juste des escaliers, en vérité. Dis-moi, est-ce que tu aurais une anecdote un jour que tu as eu ici, à Noailles, je sais pas où, gros, un truc qui te marque, qui te reste en tête? Il y en a trop. Tu vois, encore, ils ont installé plusieurs caméras dans le centre-ville. Mm-hmm. Je sais pas combien il y en a, mais c'est devenu secret story. Tu sais, avant, il n'y avait pas toutes ces caméras, il n'y avait pas tous ces trucs. Franchement, c'était Chicago, tu vois, les bagarres générales, les coups de couteau dans les yeux. Pourtant, on est au centre-ville, hein, tu vois. Par exemple, des fusillades ou des gens qui tirent, ça devrait être bizarre. C'est un centre-ville. Ah ben, même des trucs comme ça. Et quand on dit que Marseille, c'est le centre-ville le plus crapuleux d'Europe. Ah oui. T'en dis quoi? Tu valides ou quoi? Ah ouais. Et j'y dors parce que j'ai pas visité le monde entier encore. Mais vraiment, c'est un quartier, ce centre-ville. C'est un quartier. Il y a une certaine heure où faut pas trop rester. Oh Zinc, on va retarder. Zinou, c'est mon vrai Zinc. Tranquille. Ça va ou quoi? Ça va. Du coup, j'ai pas eu le temps. Il y a aussi le petit cousin qui est venu, Léo, je t'ai parlé tout à l'heure, désolé Olivier. Il kick ça, hein. Il est très 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 fort. T'as sorti des trucs un peu ou quoi? Ouais, là j'ai sorti un clip hier. Je l'ai mis sur toutes les plateformes. Mort, il s'appelle. Mort, il s'appelle le son. Je suis dans le clip en plus. Dans le clip? C'est chaud. Ouais, il est violent le son. J'ai donné mon cœur à des crevards qui vivent à Vera, j'ai vécu pire comme Ragnar. Je monte la garde comme les tarots, qu'importe le prix, on est toujours au combat. Faut l'étaler tout notre talent, ce qui t'anticipe, un V1, tu réponds pas. Tom Blas, c'est Léo du coup? Léo, ouais, c'est. T'as pas cassé la tête. C'est vrai, t'es pas cassé la tête. Là je t'amène au meilleur restaurant sénégalais de Marseille. C'est un restaurant qui appartenait à mon oncle, paix à son âme, avec mon autre oncle et ma tante. C'est un restaurant très connu, Ziguinchor s'appelle. Il est devant. Ça fait des années qu'on est là. C'est à la famille, Manjak, toujours. Allez, viens t'amener. Oye, la Churande dans le meilleur resto sénégalais de Marseille, mon oncle, le patron. Oh. Omas, vite, ça va? Tranquille. La serveuse qui fait bien son taf. Tu prends quoi toi d'habitude? Le meilleur truc sénégalais à manger? Moi, après c'est chacun son plat, moi c'est ma fée tchep. Le tchep c'est le plat national. Après ici il y a de tout, tu vois, il y a sa poulet, il y a sa poisson, il y a le tchep, il y a le chakri, il y a les pastels, il y a tout ici. C'est bien, ça fait combien de temps il est là le resto? Ouais, une bonne vingtaine d'années, hein. Ouais, ça fait longtemps, on est les plus anciens dans le resto africain, je pense. C'est une cœur dure, c'est une affaire qui a été ouverte en famille. Tout le monde bosse un peu, un bon état d'esprit. À Marseille, on est connu à Marseille, au-delà de Marseille, même région parisienne, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Très très connu, c'est vrai. Il y a beaucoup d'artistes aussi, des footballeurs, des rappeurs. Ouais, c'est connu, c'est bien fréquenté en vrai. Ouais.
Alors ça c'est le tchep. Normalement c'est le tchebujel, c'est le riz au poisson. Là le kien il a remplacé avec des graines d'agneau, qu'on appelle le jibitri. Il a fait un mélange plan national avec la graine d'agneau. Ça c'est la loco, c'est une dorade avec des bananes plantains. La loco ça représente les bananes plantains en fait, avec une sauce tomate, oignon, celui-ci. Voilà. C'est parmi les nombreux plats qu'on fait, on a une quinzaine de plats. Puis une grande carte bien fournie. Là on est rue d'Aubagne, c'est ça? Là on est rue d'Aubagne. C'est une rue, elle est connue déjà, il y a des immeubles qui sont effondrés, tout ça, connue. Parce que elle est connue pour être insalubre. Voilà, c'est très très insalubre. C'est une rue qui a été laissée à l'abandon. Pourtant c'est bizarre parce que c'est en plein cœur du centre-ville de Marseille. Donc, normalement les centres-villes c'est fait pour représenter la propreté normalement, puisque c'est là où les touristes y viennent. Et c'est pour te montrer l'état du centre-ville. Quand on dit le centre-ville c'est un quartier, c'est vraiment un quartier. C'est des immeubles, il y a des 10 000 rats dedans. C'est sale, il y a de la moisissure, il y a des camées. Tu es petit, tu vois des piqûres dans les... Regarde la preuve. Il y a un grand bâtiment qui est tombé. Nous, on avait l'habitude de rester tout le temps là, en plus c'était en 2018. Heureusement, ce jour-là, on n'était pas là, mais il y a eu des morts, tu vois. Donc, cette rue, elle a été connue par rapport à ça et par rapport à plein d'autres choses. Et même après que ce soit effondré et tout, la mairie, la ville, ils sont pas dit quand même... Ils s'en battent les couilles, ils s'en foutent. C'est un état d'urgence, on va dire. Ils s'en foutent, c'est juste la vérité. En fait, j'ai l'impression qu'ils font les choses en fonction des habitants. C'est pas pour eux me jeter la pierre parce que j'aime pas faire la victime. Mais quand ils voient qu'il y a une forte communauté étrangère ou immigrée, tu sais, j'ai l'impression qu'ils mettent pas les mêmes moyens que les autres qui habitent dans des pavillons et qui sont français pure souche, on va dire. Parce que là, regarde, c'est toujours la même merde. Regarde les bâtiments. C'était ici ceux qui sont effondrés. Regarde, ils ont mis un petit muret vert pour faire Zama ne rentrer pas. Ils ont rien fait de plus. Voilà, et tous les autres bâtiments, c'est pareil. Peut-être que demain, il y en a celui-là, il va tomber, puis l'autre, peut-être. Peut-être qu'ils vont réagir quand toute la rue va tomber, je crois. Si t'avais un truc à dire, imagine la vidéo, comme on a dit. Elle pète, elle fait ça, plus de 400 000 vues, imagine. Je crois que forcément, il y a des gens de la mairie ou je sais pas qui vont regarder, tu vois. Ah, ben, si t'avais un truc à leur dire, tu leur dirais quoi? Moi, j'ai rien à leur dire, je te la vérité. Ça va être faire leur taf, franchement, ça va être faire leur taf. Moi, j'ai rien à leur dire. Et ils savent très bien ce qui se passe ici, tu vois. C'est pas à moi de leur apprendre quoi que ce soit. S'ils le font pas, c'est qu'ils ont pas envie, tout simplement. Après, voilà, faut de tout pour faire un monde. En douille. La famille. Ouais. Joe Domingo. Ouais, c'est la famille. Ça va quoi? Ça va, bien? Ouais. J'ai fait le poisson? Non. En direct. Oh Panthère, c'est qui le plus chaud à FIFA ici? Normalement, c'est moi qui choisis, mais là... Non, même pas, coupe-le ça, parce que peut-être je vais gagner. Si je gagne, c'est moi le plus fort. Je sais, Rayon! Ça fait pas, hein. Là, on est à Nouvelle Ère, chez les frérots. Là, il y a un des fondateurs des Malques. On n'a pas pu être là, mais on a ça, dommage. La prochaine, hein. Je vais vous montrer un peu... La marque. Là, tu vois, il y a toujours une personne. Ouais, je vois le pantalon, soit la casquette. Toi, qui fasse fou, là. Dans les locaux. Et maintenant, ça. Oh, c'est propre, hein. Et oui. Tapis rouge, hein. C'est notre tapis rouge à nous. Montre-nous un peu. Voilà, la casquette, hein. Le t-shirt, tout ce que tu veux, ta pièce préférée, gros. Moi, ma pièce, c'est quoi, toi? J'ai la vérité. J'aime bien les bobs pour l'été. Ouais. Un petit bob. Tu vois, comme ça. Voilà, plusieurs couleurs. Je ne vous ai pas présenté, il y a les frérots, ils sont arrivés aussi. Yeah. Sedek, Sambo. Bon, mon frérot, la compile, elle a bien marché ou quoi? Ça va, ouais. C'est... Moi, personnellement, j'ai bien kiffé, ça, il n'y a rien à dire. Après, il faut voir les gens, c'est plus les gens maintenant qu'il est là, il faut aller le déguster. Mm-hmm. Et continuer à le déguster. C'est ça, mon. Gros dédicace à Morosa qui n'est pas là. Gros big up, frérot. Je te montre un nouveau modèle. Ils sont sortis pour longtemps, les derniers. Tu vois, ça c'est mon coup de cœur, celui-là. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Tu vois, il est magique, celui-là. Je le mets en plus bien serré pour ceux qui font le sport, là. Tu vois. Mais qui c'est qui est à l'origine de Nouvelle Ère, du coup? Donc, il y a Morosa et Damon. Tu vois, les deux créateurs qui ont commencé la marque il y a quelques années. Ça tourne
tourne comme un pot. Tout le monde s'habille comme ça, ils ont raison, puisque la qualité, tu vois, Michi il a l'agréable. Et puis c'est beau aussi. Ouais, tu vois, je te dis la vérité. Même si je ne connaissais pas, j'aurais dit la même chose. Ouais. C'est beau de fou. Tu vois, regarde, tout le monde regarde alors qu'il est ambitieux. Moi toujours. Hey, Dayman, ça fait combien de temps que la marque elle est créée? Comment elle s'est créée? La marque s'est créée complètement, vraiment, vraiment développée. C'est vers les 2015-2016. On a vraiment commencé à se développer. Après, voilà, c'est petit à petit. On est arrivé là, c'est moi et mon cousin. Tout ce qu'on fait, on personnalise aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, attends, tu vois, j'entends des délits comme ça. Et tu veux quelque chose avec un dessin ou tu veux quelque chose avec ton blaze, c'est possible aussi. Ok. Et puis on peut trouver où les vêtements nouvelle ère? Alors les vêtements nouvelle ère, tu peux trouver où? Un peu de partout pour les gens on va dire pour les gens de Marseille. Tu peux trouver à Foot Corner, c'est lui de Marseille, la rue Saint-Fé, lui des plans, Belzin Shop, les gens de Paname, il y a un Snap, NVL Shop Paris qui tourne, qui veut se faire livrer chez eux, sinon il y a des magasins comme Macadam. Tu peux trouver des bails là-bas aussi. Et pour les gens de Toulouse, c'est les 100. C'est carré. Voilà, et aussi, après, il y a un peu de partout aussi. Reste à la fille sous les snaps. Là, j'ai pas tout en tête. Désolé pour ce que j'ai oublié. Et voilà. Potter, dernière question de la vidéo, c'est toujours la même dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'équipe de Marseille. Bah, logique, hein. Bon, gros, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on tue? Panthère officiel sur Instagram, sur Snapchat, Panthère en vrai. Voilà, ça va bientôt arriver. L'été, on va envoyer certains clips et des petites surprises. On ne dit pas encore, mais ça arrive. Ah bon? Pour du Fendi dans le vaisseau, et c'est ton réseau qui va te sauver. Ah ouais. Morceau de chiste, c'est le fun et à rayer les cops, chaud. Même que les hops s'approchent, si t'es blindé, on va te faire les poches, gros.